Et bonjour à tous, c'est MesOrcV pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4 de notre série sur Farming Simulator 2022. En compagnie de Menrich, comment vas-tu? Très bien, et toi, comment vas-tu? Et moi, ça va parfait. Alors, je sais plus du tout où j'en suis, ou ce que je Alors, devais faire. tu pressais. Moi, je viens de lancer le labour du 16 avec un décompacteur. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que le 16 va aussi avoir besoin de chaud. Et le labour va prendre du temps. Donc, en fait, je crois qu'il n'y a aucun champ qu'on va pouvoir ressemer, j'ai l'impression. En tout cas, pas tout de suite, tout de suite. Et du coup, on a un gros tracteur de libre. Vu qu'on peut rouler aucun champ. Du coup, faut faire quoi sur ton champ à toi, là où tu es en train de Je faire? sais bah comment ça la terre. C'est quoi la touche pour miner là? Miner. Faut que tu baisses avec V et que tu actives avec B. Miner, c'est raconté. Il Je me suis compris. n'y a que toi qui t'as compris, hein, parce qu'alors là, franchement, Ah ouais? c'était loin, quoi. Ah putain, miner. C'est vrai que j'étais. Toi, il faut que tu ramasses toutes les peluches de blé. Ouais, mais d'abord, je vais peut-être lancer un rouleau derrière toi si ça marche. Parce que j'ai toujours pas bien compris exactement quand est-ce qu'on peut l'utiliser. On peut l'utiliser après avoir travaillé la terre, mais est-ce qu'on peut l'utiliser genre maintenant? Parce qu'il y a écrit dans la description que c'est fait pour enterrer les résidus. Donc moi je me dis. C'est une très bonne question. Par contre, il va éjecter toutes les bottes de paille du coup. Il va les pousser toutes. Ouais, remarque, au pire, au moins j'aurai moins de kilomètres à faire pour les ramasser. Et la réponse est ça marche pas. On est d'accord? Je vois pas d'ici. On est d'accord. Donc en fait, il faut d'abord travailler le champ. Mais fais-le passer autre part, non? Bah, je peux le passer nulle part en fait. Ah bon? Non. Il a déjà passé sur le premier? Bah non, mais il ramasse les pierres et c'est très très long. Ben, il faut, moi je pense qu'il faudrait acheter une deuxième machine pour les pierres. Hein. Bah en vrai, je pense qu'on va pas les passer à chaque fois en fait. C'est juste parce que là c'est le début, non? Je sais pas. Je peux pas Donc, je te pense dire. qu'après ça servira plus à rien. Parce que là on est d'accord, alors il faut labourer dans un premier temps. C'est ça? Bah faut travailler, faut rouler et faut semer. Des fois tu dois rajouter le labour dans le tas. Mais le labour il remplace le travail, sauf que c'est plus long parce que c'est beaucoup plus petit comme outil. Et après, tu peux avoir les pierres. Ok. Après ça va, genre il y a plein de choses qu'on peut planter plus tard, non? Oui, Ouais, je pense. là on est à peine au premier mois où on peut planter le colza. Donc demain on pourra aussi planter du colza. Et après on a 2 jours où on plante blé et orge. Oui, Donc non, ça mais va. ça, on pourra. Il n'y a pas de souci. Des choses à faire, on en aura. Pas de souci. Prenons les bottes de paille. Ouais, toi t'as du taf. Hein. Voilà, je crois qu'il n'y en a pas tant que ça dans le premier champ. J'ai l'impression que je les ai presque toutes ramassées. Là t'as labouré tous les champs déjà? Non. Il y a un champ qui est en train de se faire labourer. Il y a un champ où il ramasse les pierres. Et il travaille. Et l'autre, il travaille ton champ à toi. Il fait quoi son... Bah oui, donc il laboure. Oula, pardon. Non, je te dis, c'est le cultivateur, genre, c'est moins profond que le labour. Ok, ça y est, on l'a déjà passé partout, du coup, le moins profond. On l'a pas passé là où il laboure, parce que du coup, il n'y a pas besoin vu qu'on laboure. Ok, mais après... Alors C'est là... l'un ou l'autre, quoi. Ok, et après on doit rouler, du coup, après. Ouais, il faudra tous les rouler, par contre. Ok, avec les tuyaux, là, les... Les rouleaux, mais ça va vite, ça, normalement. Ok, Enfin, dans la et vraie vie, après en on tout cas, peut ça va planter, du vite. coup.
Et après, on pourra planter, ouais. Voilà. Et après, il faut mettre la chaux. Faudra la mettre avant, n'importe quand, mais avant de planter, ce serait bien. Ok. J'essaie de comprendre. Hein. Ah, je les ai bien empilées, celles-là. Je suis fier de moi. Je suis fier. Elles sont toutes parallèles, là. Je suis trop fier. Une question, la moissonneuse est vide toute seule. Non, 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 non. Il faut mettre la benne à côté. Parce que la benne est quasiment pleine, hein, c'est pour ça que tu sens. Il va falloir aller vider la benne. Sinon je vais pas y arriver après. Côté argent, ça va, mine de rien. On a pris un gros coup, je sais pas pourquoi. Ah si, on a acheté un tracteur. Ben oui. Est-ce que tu peux regarder vite fait quand tu es sur une ligne droite? Oh putain, c'est un mauvais bail là ce que je suis en train de faire. Toutes les bottes elles vont tomber. J'ai intérêt à me mettre bien comme il faut. Je t'écoute. Comment dire? Si ça... Oh là là, je vais pas y arriver. Si le décompacteur il fait un lit de semences ou pas. Pour savoir si on a besoin de rouler le 16 du coup. Il fait un lit de semences, ouais. Ah, c'est bien ça. C'est-à-dire, du coup? C'est-à-dire qu'on peut semer direct. Pas besoin de labourer. Pas besoin de passer les rouleaux. Ah bon? Non, justement, on laboure. Mais donc pas besoin de passer les rouleaux. Un labour, on passe pas les rouleaux. En Comment tout tu cas, après sais? un décompactage. Bah, parce que ça fait un lit de semences. Ah non, et c'est ça par contre, ça le faisait pas? Bah, il faudrait. Ça nous... Mais les rouleaux, ça permet d'augmenter de 5%. Hein. Les lits de semences, pour moi, ça veut dire que ça augmente de 5%, en gros. Mais là, le 15, on fait quoi dessus? Ah, le 15, on fait quoi? Tu ramasses les cailloux. Mais il a même pas fait la moitié là. C'est à peu près l'idée. Non. Et on est obligé de faire ça? Je suis pas sûr qu'il y ait plus grand en machine pour les cailloux, hein, je vais être honnête. Enfin, j'ai pris la plus petite, mais j'aurais fait 2 mètres. Ah si, la plus grande peut faire 5 mètres. Sauf qu'il faut un tracteur plus puissant. Pas tant que ça en fait. Ah, mais en deux, parce qu'on n'arrivera jamais là. Par contre, ça coûte 52 000, s'il te plaît. Elle C'est coûte pas. cher, mais il faut pas un tracteur plus puissant. Et par contre, elle fait 5 mètres, ça va aller beaucoup plus vite en fait. Mais c'est qu'il faut l'alimenter en électricité, j'ai l'impression, parce qu'elle a écrit des kilowatts. Alors qu'il n'y a pas écrit des kilowatts sur les autres. Waouh, alors lui il va pas arriver à monter en fait. Tu fais quoi? J'essaie de prendre le tracteur avec le camion, mais. Ah, mais c'est toi qui l'as. C'est moi qui l'ai. Tu peux enlever, enfin décrocher la presse et venir prendre la remorque et aller la vider. Je peux pas monter avec en fait. Comment ça? Tracteur est trop petit. C'est trop pentu. Au pire, monte-moi juste là en haut du truc. Ouais. Parce que je crois qu'il est plein, lui, hein. Bah ouais, je vais en chercher une autre. Chercher quoi? Bah, une autre marque. On a une deuxième? Bah ouais. Mais il a tellement pas avancé les cailloux, ça me tue. Mais attends, mais il est reparti dans l'autre sens. En même temps, il risque pas d'avancer, il repasse où il est déjà passé. Oh. Ah putain, bruit de merde. Tu le mets où le tracteur? Bah, je sais pas, mais en haut de la pente. Ah putain, forcément qu'il avance pas. Ah mais il est plein surtout en plus. Il est rempli de cailloux le bidule. Il y en avait plus que sur la partie solo alors, c'est pas forcément toujours pareil quoi. Le 15, il y a que les pierres enlevées, ouais. Bah il a chaud à mettre. Alors il y en a de partout des pierres, gros. Même sur le 16, il y a des pierres.
Ouais. Ah, c'est blindé, comme le 15, voire pire. Sérieux? Ouais. Bah j'ai acheté une deuxième machine, écoute, je vais aller la chercher, hein. Bah, lance sur le 16, je pense, hein. Ah le 16 aussi, on a plein? Ouais. Non, et le 13? Le 13, je sais pas, il faut qu'il passe le truc de la terre encore. Bah il a commencé. Je S'il y vais en aller a, je pense qu'on voir. les verrait, non? Je vais te dire ça. Ouais, il y en a aussi. Il y en a aussi. Je pense qu'on est bon pour tous les faire. On aurait peut-être dû les louer les machines. Je sais pas si on va s'en servir 10 000 fois. Je sais pas. Bah écoute, au pire on la revendra. Hein. Ouais, mais bon. Oui, je sais, on aura perdu de l'argent. Ouais, je crois qu'on en perd beaucoup plus qu'avant. Hein. Caillou à venir ramasser là, du coup il y en a plein. Il y a un tas de cailloux à côté du champ. Ah, il les dépose à chaque fois? Bah je l'ai vidé, il était plein en fait. Et il a même pas fait un tiers du champ, s'il te plaît. Bon ça se vend, je sais pas si ça se vend, je crois que ça se vend que dalle, mais ça se vend les cailloux. Ok. Ça se vend 114. Bon. Toujours ça de prix. Hein. Finalement, on a quand même 5 tracteurs, mais comme on travaille sur 3 champs en même temps. Il est plein la moissonneuse, hein, faudrait faire un truc. Ouais, depuis un moment, hein, j'arrive. Je viens de vider, j'arrive. Après l'hiver, on sera plus tranquille pour faire autre chose de toute façon. Aïe, aïe, aïe. Oh, mais s'il te plaît, le nombre de caillasses qu'il y a. T'as vu ça? Du coup, tu m'as pas dit dans le 13, il y en a. Oui. Fais gaffe qu'ils te bouffent pas tes andors aussi. Hein. Comment ça? Bah, il y a le mec qui déchaume derrière toi. Hein. Moi, je sais. Mais il y a de la marge, hein. Je suis en train de le faire. Je vais bientôt rattraper la moissonneuse. Ah oui, ok. Ok. Ah mais j'ai plus de tracteur en fait. Je peux pas aller chercher la deuxième machine, il n'y a plus de tracteur en fait. Je vais déposer la benne en haut. Et Ouais. je vais mettre et je vais apporter la deuxième et il faudra vider la moissonneuse à la main, genre faudra enlever l'ouvrier, aller Ok, vider. ça marche. Et je vais aller chercher le deuxième truc, c'est pas possible. Au pire, j'ai un tracteur, je ferai vite fait le truc. Ouais. Au pire des cas. Ouais, bah alors je te la laisse là et tu te débrouilleras. Ouais, laisse là, t'inquiète. Alors, faut que je chope une route, y a pas une route par là? Avec ton tracteur là. C'est le tien, hein? Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, là, j'ai l'impression que l'argent il descend vite quand même. Il y a beaucoup d'ouvriers, je pense. Ouais. Il y a un peu 15 500 ouvriers. Ah d'accord, on a trop d'ouvriers, du coup je peux pas lancer l'ouvrier qui fait le trajet, je crois. Ça paraît logique. Oh, c'est une blague. Hop, allez, vas-y, fais-moi le trajet, toi. Après, je sais plus où j'habite, moi, à force. Je vais commencer par les Après, bottes qui sinon, sont. le 16, on le plante sans enlever les pierres, hein. Ou le 13, hein. Ouais, mais. Oh putain, il y a plein de pierres au 13, t'imagines pas non plus.
Oh! J'ai mis, je crois, c'est celui, il y en a le plus. C'est celui, il y en a le plus. Là, il faut qu'on plante, gros, parce que on j'ai l'impression qu'on perd du temps, non? Bah, en vrai, on peut rien planter, je crois. On peut planter que du colza là, pour le moment. Ouais, bon. C'est vrai que le colza nous a beaucoup rapporté. Ce serait bien d'avoir mais un grand champ en colza. Donc en fait, Le 15. le. Ouais, bon, on peut refaire du. Ouais, on peut refaire du colza sur le 15. C'est vrai que ça nous a apporté de ouf. 75 000, hein, 80 000 même. Vas-y, je vais mettre la deuxième machine à pierre sur le 15. Elle est Ouais. deux fois plus grande. Fini le 15 en premier. Il va y arriver, je pense. On finit le 15, je mets la chaux et on plante. C'est bon? Merde, j'ai oublié d'enlever les sangles. La montée est toujours dure. Ah, mais je pense que ça va faire mal hein, la montée. Hein. À part pour la moissonneuse. Ouais, la moissonneuse elle a zéro souci. J'ai bientôt rempli le plateau. Hein. Bah, tu déposeras tout à un endroit, hein. Il est où lui? Bon, je suis arrivé, je vais prendre la machine. Je demande 8 chevaux de plus que l'autre, ça va y arriver. Ouf, lourde. Oh là là! Alors. Si tu as la montée. On va prendre encore 4 bottes de paille, je pense. Bon après des postes ou vend tout et on vend tout je pense. Mais tu penses, mais ça se vend où, Coco? Ça fait comment? Bah, paille. Marché de bétail au Belleron. Et c'est loin. Je sais pas. L'ouvrier, eux, est bloqué. Comment ça? C'est pris une voiture, ce con. Hé Roule à gauche, si tu veux faire face à ça. Comment tu veux faire, le mec qui roule à gauche? Alors attends, tu m'as dit tac. C'est quoi que je cherche à vendre là? De la paille, c'est où paille? Paille, paille, paille. Paille. Le marché, nanani? de haut Belleron, ouais. C'est pas ultra loin, mais c'est pas non plus la porte à côté, à Tu peux 15 km. vérifier l'ouvrier F, je crois, s'il te plaît, je crois qu'il s'est arrêté. Celui qui déchomme, oui, bah, parce que en fait on n'a pas le droit à trop d'ouvriers et l'autre il fait l'aller-retour. Ok. Je le remets dès que. Ah ben non, bah du coup. Je veux dire, je le remets dès que la machine arrive, mais en fait on peut pas. Bah, c'est pas grave. Pour le moment, les. Peut-être qu'on peut. Peut-être que c'est juste qu'il voulait pas faire le de chemin, tu vois, mais je sais pas. Mais de toute façon, là, probablement, la priorité, c'est le 15. Ouais. On le finit comme ça, on est tranquille. On a encore combien de temps pour le semer? Ah, on a encore demain pour le semer. Ouais, mais comme ça, au moins, c'est fait. On pense plus à lui. On enchaîne sur les autres avec les trucs à pierre. Ah, mais les pierres, c'est un carnage, quoi. Il n'y en avait pas autant sur ma partie. Hein. Pas sûr qu'on doit le faire à chaque fois, par contre. Mais non, normalement, faut pas le faire à chaque fois. Surtout si on passe les rouleaux, ça casse les petites. Donc c'est pour ça qu'on passera plutôt le rouleau avant que ça devienne des grosses. Je pense que ça doit être ça. À peu près. Là, je me suis mal pris, mais alors mal pris. Ouais.
Le plateau va être plein. Ah ouais? Ah ouais, là j'ai mis tout ce que je pouvais. Bah, je pourrais empiler au-dessus, mais c'est déjà pas super bien mis, donc au niveau stabilité, on va pas Ouais. pousser le bouchon, je pense. Je pourrais mettre 4 de haut en vrai. Je préfère faire l'aller-retour. Oula, il y a tout qui est bloqué là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu carambolage entre les deux, je crois. Ouais, entre la moissonneuse et les cailloux. Et ouais, bon, ils ont l'air de repartir, mais. Mais il est où lui? Mais putain, mais il tourne en rond, s'il te plaît. Qu'est-ce qui glande? Mais qu'est-ce qui glande? S'il te plaît, le mec il tourne en rond, il trouve ça normal. Ouais, je pense que je vais déposer la masse. Ouais. Je sais pas si c'est la machine qui est trop lourde. Ah, faut vider la moissonneuse, quoi, quoi. Ouais. Parce que là, je fais du patinage, en fait. J'y vais. J'arrive pas à savoir si ça va être mieux ou pire sans la masse. Ouais. Bah, le rouge, c'est pas une bonne couleur, hein, je te le dis. Pourquoi? Parce qu'il avance pas, hein. Franchement, c'est de l'abus, hein. Je lui ai à peine mis une machine de 3 fois plus grosse que lui, il pourrait tirer. Alors, à partir de où il y a des cailloux? À partir de là. Oh là là. Allez, c'est parti. On peut pas mettre d'ouvriers, on a trop d'ouvriers. Bah écoute, on... Ouais. Bah écoute, je finis vite, après je ferai un truc, hein. De toute façon, la moissonneuse, dès qu'elle a fini, t'as un ouvrier, hein. Après, c'est vrai que ça serait priorité au 15, donc au pire, coupe lui qui fait le champ au 13 là. De quoi? C'est fait. Bon, voilà. Tu veux voir notre joli plateau? Non, c'est bon. Ah d'accord, J'y arrive content. après. Non, mais j'y arrive après. T'es cruel, genre. Là, le la benne est pleine, hein. Bah, va la vider. Où ça? Pourquoi? Dans notre silo. Ça marche, et où? Ah, il est juste à côté du 17. Tu traverses la voie et tu devrais le voir. Ah putain, je monte à 4 km Là, là. là, je vais à ma gauche. T'es où? Ouais. Et le champ 17, il est à quoi déjà? Parce que. Oh, tu peux le traverser le champ, hein. De quoi? Le champ 17, il est à nous déjà. Ouais. Y a le maïs. Faudra acheter la barre de coupe de la moissonneuse, tiens. Tant que j'y pense. Elle coûte 53 000. Ah ouais, ok. Bah, l'emprunt est en train de se creuser, hein. Combien? Trois cent soixante-dix. Pourquoi j'avance plus? Ah merde, je patine. Le télescopique qui patine. Pourquoi? C'est trop lourd. Il a pas assez de prise au sol. Peut-être que j'aurais dû me changer les pneus. En fait, c'est trop, la pente est trop raide. Je me trimballe quand En même. gros, ton tas de pierres en plein milieu de la route. Ouais, je me trimballe quand même 148 tonnes. Hein. Ah oui. Donc, il a un peu de mal à monter la Ah, pente. je suis arrivé, ton tas de pierres, gros, j'ai volé. Il faut que je le récupère, mais le télescopique, il est un peu occupé là avec la paille.
Ah non, c'est pas des tonnes, c'est des litres, putain. J'ai trop l'habitude que ça soit des kilos, moi. Mais 17 17 000 litres, ça fait 17 tonnes, non? Ou rien Ah à voir. non, hein, des litres, c'est des... ça marche que pour l'eau, ça. Ah, ok. Mais là, j'ai 148 500 litres de paille. Bah, à 400 kilos, la botte de paille, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tu fais 18 fois 400. X 400, ça fait 72. J'ai que 7 tonnes 200? Ou j'ai 72 tonnes? Comment on sait combien on a dans notre silo? 7 tonnes 200. Bah, tu fais échappe, et là où il y a les ventes, et bah, il y a les quantités. On a 35 700 de blé. Ah, alors là, il va y avoir un accident. Empêche de travailler, c'est ouf, hein. Non mais s'il te plaît, ils font trop la grève. Oh, du coup, on devrait se croiser. Il va quand même beaucoup plus vite l'autre de truc de pierre. Hein. Bah ouais. Et puis en plus, il fait 5 mètres, hein. Ben, elle est pas dépliée là. Si. Ah bon? Ok. Je suis loin peut-être. Me fonce pas dedans, merci. T'as vu mon beau plateau? J'ai vu ça. Je vais pas du tout du bon côté, c'est pas là qu'il faut le vendre. Je rentrais à la ferme là dans ma tête. Voilà, et le reste, on le garde. Faut que j'aille là-bas. Putain, pourquoi je suis monté? J'ai monté la pente pour rien en fait. Compliqué de gérer une ferme. Disons qu'il y a beaucoup de choses. Bah, disons qu'en fait, comme on avait de l'argent et qu'on n'a pas tout à fait repris de zéro, on démarre avec beaucoup de choses à la fois, je pense. Ouais, mais bon, quand même, on a. Faut gérer tout. Hein. Les machines, c'est une chose, mais bon. Il y a plein de nouvelles choses qu'on ne connaît pas. Regarde là les champs, ça fait déjà 5 épisodes qu'on est dessus, hein, et on les a toujours pas plantés. Hein. Ah, ils sont grands. Ouais. En même temps, les champs de cette map sont tous très grands. Il n'y en a pas vraiment des tout petits, quoi. Qu'est-ce que tu fais, gros? Je te vois monter, descendre. Je sais que je m'étais trompé de chemin. Ah. J'ai cru que j'allais à la ferme, moi, et pas du tout. Et pourquoi on n'a pas vendu blé déjà? Parce que, je sais pas, t'as dit ça se vend pas cher, on le garde. Ben, on verra si on achète un Bah là moulin cet hiver et si le on fait de prix la est pas mal farine. hein, le prix est pas mal là. Ouais, mais peut-être qu'on fera de la farine cet hiver, je sais pas. 866. Bon, la On en donne farine. aux poules aussi. Oh putain, on a acheté les poules, on leur a pas donné à manger. C'est pas ce que tu gagnes le plus la farine hein. J'espère qu'elles vont pas mourir. Hein. Parce que combien de blé égale combien de farine? Tu sais pas. Bah, je sais pas, on peut le voir quand on le fait. Je crois que 150 de blé égale 130 de farine ou un truc comme ça. C'est un peu moins. Je sais que c'est un peu moins. Ou 158 égale 150, un truc comme ça. Ok. Je crois que pour le blé, c'est moins. Pour le sorgho, c'est un peu plus. Pour l'avoine, c'est un peu. Enfin, c'est plus plus. Mais le blé, je crois que c'est moins. Ok. Ouais, mais je sais plus. Voir les recettes, il faut acheter le truc, quoi. Ok. T'es chiant. Bah, je peux plus mettre d'ouvrier. La moissonneuse a bientôt fini. Je suis à 15 km heure, là c'est un peu long, je t'avoue. Bon, les pierres, c'est ça a l'air d'avancer, hein. Ils se sont coincés encore, non? Je sais pas. Ils se gênent un peu, mais. Non, ça va, ils se sont pas coincés. Par contre, la moissonneuse, elle va être pleine encore. Ah ouais? Je crois.
Oui. Puis on va se laisser là pour cet épisode. Et déjà, mais t'abuses. J'ai l'impression qu'on vient de lancer, genre. Et prêt? Non, malheureusement. On lance, à chaque fois on lance et tu dis c'est fini. Ah, c'est rapide, hein. Peut-être qu'on augmentera le temps des vidéos, je sais pas, on verra. Ah, je suis pas sûr que tu puisses. Compliqué. N'hésitez pas à vous abonner, si c'est pas encore fait, c'est important. Allez voir la chaîne de Benrich, important aussi. À mettre un gros like, objectif 200 likes, hein. Ok. Ouais, non, mais toujours plus. Tu doubles à chaque fois, s'il te plaît. 50, c'est déjà bien. Objectif 20 likes sur la vidéo à Benrich. Là, maintenant, là, tout de suite, on va se Ça, c'est. mettre un gros like sur l'épisode 5 ou 4, que je me trompe pas, de la vidéo à Benrich, ok? 4, non? 4. Sur la vidéo à Benrich, là, maintenant, tout de suite, on va mettre le gros pouce bleu, à mettre un commentaire. Sinon, moi, je vous dis à la prochaine. C'était MZ6B. Ciao tout le monde.